L'objectif de l'activité, c'est de mobiliser les membres du réseau et les riverains. Et éviter vraiment le paludisme et beaucoup de maladies qui peuvent découler de ça. Il y a plus de gars. C'est de l'or comme ça. Hein. C'est quand tu construis là que tu sais que ça là c'est de l'or là. Un tricycle de ça là. Ça va la tiroir. La vision d'abord, la mentalité d'abord, les gens n'ont pas encore compris. Premièrement, il y a des gens qui ne savent pas que comme ça là, nous on doit le faire le travail nous-mêmes. Deuxièmement, il y a des gens qui pensent qu'on a été payé pour faire ça. Donc c'est d'autres de nous qui devons faire ça. Voilà, mais nous allons continuer à travailler comme ça pour que les gens arrivent à comprendre que c'est du volontariat, de l'engagement pour soutenir la politique du côté de l'école. Nous lançons un message, un appel à tous les gens. S'engager pour une initiative présidentielle pour le développement communautaire, qui a un outil qui va permettre d'assainir notre milieu, assainir notre cadre de vie et améliorer notre bien-être. Ça y va de notre propre santé. Nous partons sur ça seulement pour aller les bras, attendre que la mairie ou l'État viennent vraiment rendre nos lieux de travail devant nos propres, devant nos quartiers propres. On peut le faire nous-mêmes.